Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Nanga Eboko de ce 12 décembre 2022 n'était pas que le chef-lieu du département de la Haute-Sanaga. C'était davantage l'épicentre d'une générosité qui est sortie des affables mains de Chantal Biya et qui a réuni tous les arrondissements de cette unité administrative. Le père Noël a cogné à la porte de l'école publique inclusive Les Champions de Nanga Eboko, la haute chargée de cadeaux, et a cheminé depuis Yaoundé par Habib Abidoun, l'envoyé de la première dame du Cameroun. Il y aura donc un sourire sur chacun des visages qui fréquentent cette école, ainsi que d'autres venant des villes voisines. Je suis très fière d'avoir reçu ce cadeau et je la remercie vraiment de son bon cœur et de sa bonne volonté. Vous savez que la particularité de cette cérémonie aujourd'hui, c'est qu'elle ne se limite pas seulement à l'école Chantal Biya de Nanga Eboko, elle est étendue à tout le département. Donc je voudrais au nom de toutes les populations de ce département dire merci, une fois de plus, merci. La communauté anglophone n'a pas été oubliée par Chantal Biya, qui a tenu également à leur offrir de joyeuses fêtes de fin d'année. This is to encourage us and to encourage others that have not received to work harder. Thank you, Mama Chantal Biya. This gift is going to boost the children and also increase the children's morality in school. Last but not the least, la générosité de Chantal Biya est comme un vieux vin qui se bonifie davantage avec les années qui passent.